Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Ça va, c'est super bien, on se retrouve sur le PC pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu. Bon, je pense qu'il est sorti il y a très longtemps, mais pour moi c'est un nouveau jeu, donc je suis au niveau, je viens de commencer bien sûr, c'est un petit niveau logique. Ce jeu se joue sur téléphone et tablette, se joue aussi sur avec Facebook. Donc moi je joue avec Facebook, donc du coup j'ai pas le nom du jeu, ça va être dans le titre de la vidéo, vous inquiétez pas. Je vous le conseille, c'est comme Clash of Clans. Pour les personnes qui connaissent Clash of Clans, en fait, vous pouvez construire votre ville et attaquer les autres. Donc là, c'est un peu pareil. Vous allez voir, on a un peu tout. C'est vraiment assez cool. On peut créer en plus un clan. Donc moi, pour l'instant, je peux pas le créer. Mais dès que je le crée, le clan, je le mettrai en commentaire sur une vidéo où je vais en faire une autre vidéo dessus pour vous présenter mon clan. Si ça vous tente de rejoindre, parce que c'est vraiment assez cool ce jeu. Donc voilà, c'est une petite ville qu'on a tranquillement. On a déjà, dès qu'on commence, on a un château, on a tout, on a vraiment pas tout. Donc après, il faut faire des petites quêtes pour construire la moitié de la ville, comme les petites quêtes qui sont à droite, en haut à gauche, avec des petits points dessus en disant qu'il faut faire des quêtes. Donc ça vous aide à construire votre ville. Donc voilà, on a des. On a, comment s'appelle, des petites maisons, on peut récupérer des sous et tout. Là voilà, il y a des petits personnages, donc l'archer, celui qui a l'arche, le lapin et on va dire un petit, comme les petits barbares, comme dans Clash of Clans, les petits barbares là c'est des petits guerriers je pense. Donc voilà, je vous confirme, ce jeu là est vraiment assez cool. Je l'ai trouvé grâce, parce que j'ai un groupe Facebook. Sur mon groupe Facebook, en fait, il y a une personne qui a rejoint et j'ai vu qu'il avait ça sur en photo. Donc du coup, je lui ai demandé c'était quoi comme jeu. Il me l'a dit et du coup, je voulais tester et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'adore vraiment ce jeu, donc voilà, je voulais vous le présenter. Donc voilà, par exemple, là, il faut creuser pour enlever l'arbre. Donc en gros, il faut avoir assez de nourriture pour enlever l'arbre. Voilà, pour même un petit personnage, il faut qu'on se mette avoir de la nourriture. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas une prise de tête, c'est vraiment assez cool. Moi, je trouve ça vraiment cool ce jeu. C'est comme Clash of Clans. Voilà, pour les personnes qui connaissent Clash of Clans, c'est la même chose. Donc, je vous le conseille ce jeu. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu super cool. C'est pas une prise de tête et tout. C'est pas compliqué. Voilà, il y a des clans. Donc, comme vous voyez, il y a tous les clans. Voilà, c'est pas si compliqué. C'est compliqué, donc on peut rejoindre. Moi, j'ai pas rejoindre pour le moment. On peut créer le clan, mais le souci, moi, je peux pas le faire parce que, bah, soit à mon avis, c'est après qu'on développe des niveaux, je sais pas comment ça se marche. Donc voilà, vous avez plusieurs choses. Vous avez la carte en bas à droite pour attaquer. Donc je sais pas si c'est avec ça qu'il faut construire pour attaquer. Donc je sais pas du tout. Pour faire la guerre de clan, pour faire le château du clan, je sais pas si c'est ça. Enfin, je dis un château, mais c'est pas un château, je sais pas comment ça va s'appeler. C'est différent, bien sûr. Donc voilà, vous avez des bateaux qui arrivent tous les 10 à 20 minutes, je pense, qui vous ramènent de la nourriture et des sous. Donc je trouve ça vraiment assez cool d'avoir, comment ça s'appelle, des bateaux qui arrivent, donc qui ramènent de la nourriture et tout. Je vous montrerai ça sur une vidéo ou sous ce qui arrive là. Donc voilà, vous pouvez attaquer des joueurs. Comme vous avez vu, je vous ai montré. Et il y a aussi, vous pouvez acheter des cachets où il y a des petits nuages, vous pouvez les acheter. Comme ça, bah, ça débloque des endroits pour attaquer. Donc voilà, vous avez plusieurs choses. C'est vraiment assez cool comme jeu. Je vous le conseille, mais vraiment, voilà, c'est un jeu vraiment assez cool. C'est pas une prise de tête, comme je vous dis. Donc voilà, vous avez vraiment tout, vous avez le tipper à bateau. Voilà, il y a des petits nuages, comme je vous ai montré, qu'il faut acheter pour débloquer, pour attaquer des petits clans. Un peu comme Clash of Clans, on a des petits monstres verts là pour attaquer. Et après, bah, on peut attaquer des clans des autres joueurs. Donc bah, après, les gens, ils sont plus longs que nous, c'est un peu normal. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout. Voilà, ça c'est on va montrer là. Ça c'est spécial. Voilà, on a vraiment tout, ça ressemble vraiment à Clash of Clans, sauf que bah voilà, c'est différent bien sûr, pas pareil, on va pas mélanger. Donc on a vraiment tout, même pour attaque, vous allez voir après, je vais vous montrer tout. Et donc voilà, c'est le petit truc à construire après avec les quêtes. Voilà, la tour des sorciers. On a vraiment
vraiment plein de choses. Ça donne envie d'y jouer, ça me donne envie de continuer en fait ce jeu là. Parce que je trouve ça vraiment cool, voilà, après c'est les décorations, tout le monde connaît les décorations, pas tout ce jeu là. Donc c'est pour ça que je vous le fais en vidéo, parce que je le connaissais pas et je trouve ça vraiment cool qu'on peut jouer avec Facebook et aussi sur console et téléphone et tablette. Désolé, on joue pas sur console avec, on peut pas jouer avec sur la console. Donc là voilà, c'est des petites étoiles à gagner quand, comme sur Clash of Clans, pareil, je prends la précision de. Je prends Clash of Clans parce que c'est pareil, voilà. Vous avez juste à gagner des petites quêtes, puis en fait vous gagnez des étoiles pour débloquer des choses, pour gagner des sous, des trucs comme ça. Voilà, après bah vous avez le truc de mine, vous avez vraiment tout. Le réservoir de mine. Donc voilà, je vais pas faire. Je vais détailler un peu tout, une petite statue, comment je vous ai montré aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? On a un dragon qui passe. Ça c'est les étoiles, ok. Dès que je vais créer un clan, désolé, dès que je crée un clan, bah, en fait, bah, je vous dirai en vidéo, sur une autre vidéo de ce jeu, si ça vous tente, et comme ça, bah, je pourrai vous dire le nom du clan. Si ça vous intéresse, bien sûr. Donc voilà, on peut agrandir le château aussi, voilà, il y aura pas mal de choses. Donc je vous disais aussi, on peut avoir des bateaux qui arrivent tous les 5 ou 10 minutes, je pense. Et en fait, ils ramènent de la nourriture et des sous. Bon, pour l'instant, ils sont pas encore ici. Ça vous fait une petite bulle, en fait, comme vous voyez pas des fois, ça vous fait une petite bulle en... avec un dessin des sous. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus, puis vous récupérez les sous qu'il a ramené le bateau et la nourriture. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, des maisons. Donc voilà, là, c'est pour débloquer, il faut être au niveau 7. Je sais pas encore, donc voilà. C'est vraiment un jeu super cool. Je vous le conseille vraiment. Si vous voulez, bah, dites-moi le en commentaire si vous allez le tester ou pas. Voilà, ça vous dominera en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un max de like. Désolé. un max de like pour nous dire bah, si ça vous a plu ou pas. Et directement en commentaire bah, si vous allez y jouer ou pas du tout. Moi, ça m'intéressera pour savoir si vous allez y jouer ou pas. Donc on arrive à la fin de la vidéo, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas déjà fait. A plus, à très vite et peace tout le monde.